Sarge, why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. Yeah, we'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail, Skip, with the Shadow leading the show? Who the fuck is the Shadow? Lieutenant Phelps, the Shadow of Death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. Never hear the bastard coming. You're sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three! Bad juju? Where were you dragged up? A swamp? Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur LA Noire, La Belle et le Clochard, nouvelle enquête dans notre section enquête criminelle, si on peut appeler ça comme ça. Et une jeune femme complètement torchée, dis donc, qui sort du bus sous un temps, ma foi, pas très très beau. Et dis donc, ce monsieur me fait... Oh là là, elle est vraiment bien torchée. Et le mec est vraiment flippant, hein. Je dirais un... Monsieur qui a des petits troubles sociaux, mentaux, ce que tu veux, hein. Faisait un peu peur. Bon. Nous, on a fait du bon boulot dans la mission précédente, donc le chef est content. Très bien. Et maintenant... Ils vont nous emmener sur l'enquête, hein, c'est logique. Donc on va aller sur la colline. Aïe. Skipper, is the new letter genuine? Bon, ça, on s'en fout. Nous, on se barre et on va faire notre nouvelle enquête. Salut Moustachu. Et il fait un temps splendide à Los Angeles. Eh oui. Il y a même de l'orage. Ah bah c'est pour te dire. Bon, il est où mon coéquipier? Hein? Allez! Allez! Je te jure. Alors, il faut que je suive la voiture de flic. Bon. J'ai un bug, tu vois, regarde. Quand je mets la caméra arrière, il y a une espèce d'étincelle comme si je suivais un tram un peu. Pourquoi pas, hein. Donc là, on est sur la colline. Ça fait toujours un peu les... Enfin, ça ressemble pas à l'enquête précédente, mais à celle encore avant. Au niveau du décor pour la scène de crime. Toujours dans les collines, dans des trucs dans le genre. On va voir l'état du cadavre. Phelps and Galloway, homicide. Scene secure. The rest of the patrolmen are going door to door. Cherche témoins, c'est très bien. Keep me informed. Will do, detective. This looks awful familiar. I think that's the impression the boys from the examiner took. Bon, bah génial. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10. Forcément, et l'orage, c'est parfait, hein. C'est parfait comme situation. Looks like she was taken out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Ah, c'est un peu différent. Strangled with a length of rope. Non, toujours la corde. For my money, it's triple braid again. Ok. Time of death. From her temperature, maybe 2 a.m. But it was cold last night. Usual head. Ça a pu jouer, ouais. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. Pas de message. Ah. Et puis les vêtements. Green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? C'est fou, il y a des différences. Est-ce que les gens se copient tous entre eux ou quoi? Bon, attends, on va regarder le cadavre tout de suite, hein, autant faire. Donc, elle s'est fait défoncer à la tête, hein, ça c'est des trucs qui changent pas, la corde. Ah, Superior Laundry. Parfait. Superior Laundry Services. Faudra qu'on y aille. Bon. Faudra qu'on y aille. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Les bras? Je doute qu'on tombe sur quelque chose. Ouais. Pas d'alliance, hein, par contre, ce coup-ci. Ouais, c'est vrai, ça c'est pas une femme mariée. Et le tueur ne s'attaquerait pas qu'à des femmes mariées par hasard? Ce qui voudrait dire qu'on aurait encore affaire à un copycat finalement. Y'a rien d'autre à regarder?
Ok. Alors, B. Des traces de pas. Parfait. No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. Ok. On peut pas... Qu'est-ce que tu regardes? Mais non, ça, on s'en fout. C'est rien du tout, ça. Oh, non. Je pense pas que... On n'est pas... On n'est pas à l'époque moderne, on peut pas faire... on peut rien faire. On n'est pas les experts, hein, on peut pas faire des traces ADN et tout. Ah, par contre, les traces de voiture, ça c'est important. Our driver and our killer are most likely one and the same. Et puis les traces de pneus, j'imagine qu'on pourra pas retrouver la voiture non plus, hein. Faut pas déconner. C'est quoi le truc qui est juste là? C'est de l'argent? Ouais, ouais. Donc ça, j'imagine qu'il s'en fout. D'accord. Là, il est en train de me... Là, tu te moques de ma gueule, là. Anyone jumps the rope, I'll blitz him. Don't worry. Alors, attends, on va parler avec ces messieurs-là. Ah. D'accord, c'est bon. Alors, téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être un témoin? Ça m'a tout l'air. Très bien. A voir ce que nous apporte le témoin, hein, que ce soit pas quelqu'un qui fasse son intéressant. S'il vous plaît. Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Ok, c'est très très bien. Alors, est-ce que vous avez vu quelqu'un, mademoiselle ou madame? Not last night, but yesterday, early evening. I saw that awful hobo. Bah, t'as l'air de dire la vérité, hein, écoute. Do you have a description? Tall, gaunt, grand, maigre, défiguré. He had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Le chef des SDF. Thank you, ma'am. Bon, ok. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Costume débloqué, l'outsider. Ok, très bien. Alors, le téléphone, du coup, on y retourne. Il est où mon téléphone? Il est là, mon téléphone. Attends, Galloway? Je sais plus. Phelps, badge 1247. How can I help, detective? I need an address on Superior. Ah bah oui, l'adresse de la blanchisserie, je suis bête. Superior Laundry Services. 1260. Parce que sinon, c'est vrai qu'on sait pas trop où aller, hein. Enfin si, il y a le camp de SDF, mais bon. Just a moment, detective. Bah voilà, parfait. Si, comme ça là, on aura des adresses. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Je sais pas comment elle arrive à avoir toutes ces informations, mais bon. Ça aide. Alors on va aller à la blanchisserie avant. Parce qu'à mon avis, il n'y aura pas grand chose à la blanchisserie. Le camp de SDF va être un peu plus important. Mais c'est jamais. Alors, la blanchisserie, la Superior Laundry. C'est le gérant, le monsieur, là, en rose? Non, c'est le monsieur qui est derrière, là-bas. À queue de ring-ring, monsieur. Phelps and Galloway, voilà. LAPD. We're investigating a case, and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. Ah oui, comme ça on aura le nom de la victime. Très bien. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. Ah, tu fais chier, espèce de bâtard. You wrote the number down on that dress, isn't there?
One green silk dress. De toute façon, voilà, hein, c'est... Personne n'avait de robe, si. Non, personne n'avait de robe, de toute façon. Donc c'est que c'est bon. C'est elle. Là, Madame Tetaraldsen. Maintenant, on a son adresse. En plus. Donc, bah on va enchaîner, on va aller direct chez elle. On va enquêter chez elle avant d'aller dans le camp de... Le camp du SDF. Voir si on peut trouver des trucs. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic type, so a particular disposition for this stuff. Alors. Le domicile de la victime. Ah ben, il y a un mari déjà. Hein. Il y a un mari. Est-ce qu'on peut fouiller l'extérieur vite fait avant de rentrer? Parfait. J'avoue que j'ai bien envie de fouiller l'extérieur. Déjà, je vois un bateau. Un grand bateau, ma foi. Ah, la corde! Hein! Ouais. Ouais. Important ça, la corde. Eva, bon, ça on s'en fout. Est-ce qu'on peut tomber sur quelque chose? C'est une niche. Ça non. Le râteau. Truc, vêtements. Et... Toi, tu laisses tes culottes comme ça en plein milieu du chemin, enfin, en plein milieu de la nuit, dehors, tout. T'es courageux, hein. Ah, oh, il y a des gosses. Ah, oh, génial. Toc toc toc. Bonjour, maman est morte. Non. Hello. Yes, detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Oui, ah bah. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. Bobby Ross. Okay. She was kind of dolled up. Mm-hmm. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Ça correspond. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Désolé, monsieur. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. C'est-à-dire que j'ai pas forcément envie de le dire là. My wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. Les gosses, rien. Pas de réaction. Vous êtes mort à l'intérieur? I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are you. First, we're gonna take a look. Sérieux? What for? Rien, rien, pas un... rien. You see to your girls. Bon, ok, pourquoi pas? Tu es veuf. Même pas, lui font un câlin. Oh là, il y a un truc qui va pas là. Stay here till daddy's finished talking to these men. Where's mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like mommy to come home now, daddy. Ou alors, il les a pas entendus. Let him search. You got nothing to hide. J'imagine, hein. Bon, fouillons. Farfouillons. Qu'est-ce que c'est ça? Baron's Bar. Need to check if she was a regular. Ouais, on peut toujours regarder la photo. Ouais, ouais. Peut-être que ça n'allait pas très bien entre eux. Encore une fois. Bon, bah ça, on a fait. Un sac à main. Ouf. Ah bon? On s'en fout? Il y a un sac à main par terre et tu t'en bats les couilles? Mais c'est pas possible. Ça, on peut pas y aller. Ça, c'est la chambre des gosses. Mais peut-être que... Hein? Non, ça ne servira à rien. Le nouveau... Non. On s'en fout. Ouais, tout ce qui va compter, c'est la photo, quoi. Une réplique du bateau. Oui. On s'en fout, non?
Je ne sais pas. Une réplique du bateau, c'est bien. Encore les allumettes. Bon, ça, ok. If you'd excuse me, ladies. Oh, la note. C'est marqué quoi ? D'accord, on s'en fout. Pourquoi pas ? Couteau, ça, ça a jamais été intéressant. Donc ça, tu t'en fous, j'imagine. Ah bah non, celui-là, non, on s'en fout pas. C'est quand même bizarre. Elle avait un sac à main ! Non ? Ouais, c'est clair. Bon. Et ça, c'est quoi, c'est ces papiers ? Teresa Taraldsen. Femme blanche, 36 ans, 63. Bon. Oh, c'est clair. Ou alors, ouais. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Oh, des bottes pleines de boue. Taille 8. Oh putain. Ouais. Ça fait quand même très très suspect tout ça, hein. La chemise. Il est sorti récemment. Ah non, mais là, ça fait très, hein. Ça fait très coupable, monsieur. On va te parler, mais là, il y a beaucoup de choses qui fait que, hein, tu deviens suspect. Alors, suspect potentiel. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. J'aurais presque dû aller voir les sans-abri parce que peut-être qu'ils avaient vu quelque chose. Du coup, j'ai pas lu le texte, j'aurais peut-être pas dû. Par contre, il dit la vérité. So you don't know anyone would want her dead. Non ? Quoi ? Hein ? Sérieux ? No. Fuck. I don't. Et merde. Putain, mais le mec, il regarde, lui. Oh. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right. Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. C'est quand même bizarre comme comportement, non ? Tu trouves pas ? Alors attends, j'attends un petit peu parce que... Non, il y a un truc qui va pas. Doute. Voilà, c'est ça. C'est quand même louche de les... I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. Et c'est où? Le bar? Down in North Baudry Avenue. Voilà. Baron's bar. Bon, enfin, aller là-bas aussi en plus. Drinks too much, gets maudlin and calls me. I go and bring her home. D'accord, c'est très triste. L'état d'esprit de la victime. Was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Mensonge. La photo retournée. Unhappy marriage, Lars. I think you're lying. You would like to get it off your chest. You telling me my wife was unhappy? Oui. What proof do you have of that? La photo retournée. Ah non, là j'ai rien par contre. Qui est-ce? Trace de pneus? Non, cordage. Non, j'ai rien. J'ai rien, ce sera un doute. Spill it, Taraldsen. We like the look of you for this, so you better give us something. C'est clair. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. Mais maintenant elle est morte. Hein? What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. Vers 20h30. Bon. Dernier contact avec la victime. Donc à la fête. 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Ok. Alors j'attends à nouveau, hein, parce qu'on sait jamais. Là tu bouges pas, donc vérité. Mais pourquoi? Mais ça a pas de sens. Thanks for answering our questions, Mr. Taraldsen. You'll need to go downtown to... Putain, lui il est dur à lire, lui, hein. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to Brodge, you'll be
Bon bah bref, hein, résultat, c'est bien fait niquer. C'est bien, c'est qu'il dit ça juste à côté de lui. Operator, give me dispatch. Par contre, on aura... Ouais, non, je sais pas. C'est les chaussures, à mon avis, il aura pas eu le temps de les vérifier. Hein. Il n'est pas sorti de l'appartement. Pas de la maison. How can I help, detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Oui, voilà. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Merci beaucoup. Thank you. Bon. Comme ça, ça confirmera qu'effectivement il y était, jusque quand il y était. Il a dit qu'il était parti vers 20h30. Appreciate your time, sir. Ok. Bon. Par contre, on s'est vraiment un peu foiré. Là, c'était pas cool. Je vais aller voir les clochards. I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, then I guess we ought. Le camp des clochards. Alors, il faut qu'on trouve le monsieur défiguré. Sauf s'il est pas là, bien sûr. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. You know him? Huh? What? Il a l'air complètement paumé, lui. You know, oh, yeah, yeah, yeah. And the guy earned some peace and quiet. The bum isn't here. We should follow the old lead. These guys can wait. Je rentre, moi je m'en bats les couilles. C'est bon. Moi je veux savoir. On peut pas parler aux gens? Genre, je sais pas moi, ceux qui sont debout là. Bonjour. Bonjour monsieur. Sérieux, y'en a aucun à qui je peux parler dans ce tas de. Putain. Toi là, tu fais quoi? Tu pionces? Putain, c'est pas possible, personne qui veut me parler ici? Rien du tout. Main. Lui, il flotte. Ah, bon. Bah, effectivement, apparemment, il y a. Personne. On va voir si je parle à Galloway. What now? Sounds like the Terrelson broad had her last drink at Baron's bar. We should check the place. Bon bah ok. On se casse. Hey, je suis déçu. Hein. Je suis très déçu. C'est vrai que le mec faisait bien louche comme il faut quoi donc. Lieu. Ah, y a rien. Bon bah on va au bar Barons alors. Le Baron's Bar. Alors, est-ce que notre mademoiselle était effectivement une habituée? Elle aimait bien danser là-bas et apparemment, elle serait partie de la petite fête où elle se trouvait avec son mari pour venir danser ici hier soir. Donc, normalement, monsieur le barman devrait nous donner des informations. Ah bah alors là, ça pouvait pas être plus direct, hein. They're saying it was that Black Dahlia freak again? Les journalistes, putain, faites chier. I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Pourquoi est-il sorti? Pourquoi est-il sorti? Dernier contact avec la victime. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Ok. Est-ce la vérité? Oh, le petit haussement de sourcil. Est-ce que ce haussement de sourcil, c'est un doute? We don't have time to be making guesses. What time was it exactly? Hey, give me a break. I don't remember it to the second. J'en ai marre.
J'en ai marre. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here. But nothing to fit that description. Ok. Ah, si, alors là, par contre... Bon, là, on est d'accord. C'est pas la vérité. Doute? Oui. Whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, two creeps were all over. Deux personnes. Promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. Oh. His cap said le marin, ça correspondrait au profil qu'avait donné notre personnage sur le Dahlia noir. Is Richard Bates. Richard Bates, c'est qui? Oh, bah parfait. Parfait, parfait, merci. Hey, no problem. Allez le voir, le monsieur. This is Bates. That's him. LAPD. Don't make me chase. Putain, mais il est con, lui. Pourquoi il gueule comme ça? Bates. Ah, oh, c'est incroyable. On est dessus, ce con. Vite, vite. Putain, comment il est arrivé vite. Fort custom. Oh la vache. Oh, oh. Speed est comme voiture, hein. C'est pas la même. Merde. Ouais, j'avoue, c'est un peu bizarre comme ça, mais bon. Ouais, pourquoi pas, hein. Oh. Vas-y, tire sur le pneu. Tire sur le pneu. Oh la vache. Merde! Mais j'y ai pas fait exprès, je voulais le retourner. T'inquiète, il a ralenti, il s'est arrêté même. Oh le con! C'est bon. Il a eu un accident tout seul, l'abruti. Allez. Ok, Bates. You're gonna answer some questions. I have a choice in this. Bah non, t'as pas le choix. Contact avec la victime. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You can lay it off on him. Are we finished? Bah donne-nous l'identité du mec. Lol. Do you want my partner to sap you? Tell us what we want. L'autre, il y va là-bas, t'es. Okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Cochon. Like salty had the same idea. Idiot. Emploi du so temps. What happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me, a cheap shot. After that, I don't know. Oh. You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what? Ah bah voilà. Sexual assault. Oh bah bravo. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. Ah, mais nous, on l'a vu dans un bus. Bon, ok, bref. How come? Just for a chat. Nice private chat. Bon, là, on a bien réussi. Voilà. Et puis, on va arrêter là, du coup, par la même occasion. Ce qui fait que, prochain épisode, on finira l'enquête. Ce sera très bien comme ça. Voilà, sauvegarde en cours. On arrête là. J'espère que cet épisode sur Hélène Noire vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. Merci à tous. À la prochaine. Salut !